Et PA. Et rien d'autre. Du barrage de promotion, relégation entre le HC Ajoie et le HC La Chaude font très bon match. Le premier puck est lâché avec un engagement gagné par les joueurs du HCC. Première paire de défense avec Anderson, le poteau. Immédiatement, le banc du HC Ajoie. Peut-être pour un surnombre. Le HC Ajoie lui doit montrer clairement un autre visage ce soir. Wilkins. Bengston, c'est goal! Le tir du Suédois surprend Wolf. Ce barrage peut aligner avec 4 joueurs étrangers avec Wilkins. Mais les 2 étrangers qui ont eu moins de temps de jeu dans cette fin de saison sont à la conclusion de cette action que Wolf voit passer par-dessus son épaule. Bon pour checking de la part de du HCA. Oh, l'arrêt! Le défenseur là, le long de la bande, c'était Keish Ferry même. Et ensuite la passe de Garessu pour Hubert qui plaide en faveur de HCC. Frossard, il a pris le dessus, le tir et l'égalisation de Thibaut Frossard. On l'a laissé entrer en zone facilement, la feinte a fonctionné. Thibaut Frossard, l'un de leurs leaders suisses justement, qui se joue de Dubois, qui s'ouvre le chemin du but. Et Stone, à mon avis, n'a pas vu le tir parce que Topping, non, c'est Kai Suter qui jouait le boxplay avec Sondre Holden. Holden qui arrive à se remettre devant le but et à glisser ce puck entre les jambes de Tim. Pour Sondre Holden là, qui s'est retrouvé suite à cette passe de son coéquipier complètement seul. Voyez Brennan Bakosh qui est déjà en train de repartir en faisant un petit tour sur lui-même. Et Sondre Holden, lui, est le plus malin de tous. Avec final bon. Le tir. Le puck sur le côté. Gros chance en 2 fois, 3 fois, 4 fois pour Wilkins. Ouais, impression que le HCC était en power play. Le HC Ajoie en grande difficulté dans ce retour des vestiaires. Pas de pénalité. On a un petit peu durci, protégé son gardien aussi. Mais gros arrêt de Wolf. Essayer de lui répondre aussi. Holden. On passe de l'autre côté. Carbis. Et goal. 3-1. Le HCC n'aura pas attendu très longtemps. 28 secondes. Pour 4. Andersons. La passe de l'autre côté, là, dans la boîte. Les joueurs du HCC en retard. Thierry qui, malgré sa blessure au visage, plonge la tête la première. De Vos ne gagne pas son duel face à en direct. Possibilité du 4-1. Wolf, l'arrière-garde jurassienne, regardez comment on est complètement à l'envers et comment le HCC est été. Et ne pas le laisser le HCA mettre des émotions dans son jeu dans cette fin de match. Rundquist, le puck devant, Bouillamont. Retour in extremis. C'est ça. Merci. Voir le 3-2 peut-être arriver au terme de ce lancer du Québécois. Bengston, 2 contre 1 avec Wilkins. Bengston et Wolf aussi impeccable. Pointe du doigt, on sait qu'on ne montre pas ça aux enfants, mais pour bien identifier qui était les Ackermann. Bengston dans la cage vide, c'est 4-1. Ackermann pour le but de la victoire. Le HCC va s'imposer encore. Et qui n'a pas réussi à rivaliser face au c'est l'aventure National League face à cette équipe du HCC remarquable de bravoure encore ce soir, et qui a marqué, qui a fait la course en tête et qui continue son invincibilité à la maison avec un 18e succès dans ses mêlées. En ébullition, le HCC s'impose 4-1 et même 2.